السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل التلاميذ وتلميذات ثانوية ابن بطوطة، وخصوصا مستوى الجذوع المشتركة. بداية كنبغي نذكركم لهذه فرصة مهمة أننا نتابع الدروس ديالنا من البيوت ديالنا عن بعد، وهي تجربة جديدة غادي نعيشوها، وغادي نحاولوا ما أمكن نستعملوا الاستعمال الإيجابي لوسائل التواصل، وهي أمور كنا دائما نناقشها في القسم، هي الاستعمال الإيجابي لوسائل التكنولوجيا والتعلم عن بعد اللي غادي يكون هو الميدان المستقبلي ديال التعليم في جميع الميادين. فبيان سيغ هذا الدرس الأول غادي يكون عبارة على التذكير داكشي اللي شفنا في النوسيون ديال الالغوريتم. من بعد غادي يكونوا دروس أخرى يعني عندها ارتباط على هذا الشكل هذا، على أساس أننا في إطار إعداد مجموعة خاصة بالجذوع المشتركة، مادة المعلوميات اللي غنتناقشوا فيها لي كيستيون، غادي يحطوا فيها دي زيكزارسيس اللي عندها علاقة بهذا لي بارتي. دونك كنتمنى أنكم تكونوا في حالة نفسية جيدة، كنتمنى تقللوا من وسائل التواصل الاجتماعي، التزموا بجميع الإجراءات، التزموا بجميع توجيهات، ونسوي عليكم شي حاجة سميتها كورونا، أنك إذا التزمتي بالإجراءات راه ما كاين حتى شي حاجة غتزيد فوق الإجراءات. دونك باش نحافظوا على ديك الطاقة الإيجابية اللي فينا ونتعلموا أكثر عن بعد ونستغلوا هذا الوقت هذا. دونك نبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Notion d'algorithme instruction de base. La première question qui se pose, c'est que veut dire algorithme? Algorithme vient du mot, ou bien provient du mot arithmos, qui veut dire calcul en grec. Donc c'est un ensemble d'instructions qui permettent la résolution d'un problème mathématique. Mais à condition, on doit respecter l'ordre, instruction par instruction. هادشي كيعني مجموعة من الأوامر اللي خصها تنفذ بالتركيب باش نحلوا واحد المشكل عنده علاقة بالرياضيات. دونك هذا هو لوبجيكتيف جينيرال ديال الالغوريتم. اكزامبل، prendre l'exemple d'une communication en utilisant un appareil fixe. Tout d'abord, je dois commencer par décrocher l'appareil. Ensuite, composer le numéro et puis communiquer et finalement raccrocher l'appareil. La question ici, est-ce que je peux ou bien je peux arriver à réaliser cette transaction d'appel si je commence par l'instruction numéro 3? Donc, c'est impossible. Je ne peux pas arriver à passer l'appel sans respecter l'ordre. C'est très important. Concernant la représentation d'un algorithme, il existe trois parties. La première partie, c'est l'entête, commence toujours par le mot algorithme, suivi d'un nom identifiant algorithme, exemple algorithme appel ou bien algorithme communication. La partie de déclaration, on déclare toujours soit 10 variables, soit 10 constantes. Et la dernière partie, c'est le corps. Le corps commence toujours par début et se termine par fin, contient l'ensemble des instructions ou bien les tâches à exécuter. Notion de données. Les données peuvent être variables ou constantes. Bien sûr, ces variables et constantes sont déclarées dans la partie de déclaration. Les données peuvent être aussi de types différents. On va voir prochainement ces types. Une constante est une donnée fixe qui ne varie pas durant un algorithme. Supposons, si on déclare par exemple une constante non égale à valeur. Par exemple, constante pi égale 3,14. Donc la valeur de cette constante reste toujours fixe durant l'exécution
de l'ensemble des instructions de la route. Donc, elle ne varie pas durant un algorithme. Les variables sont des objets dont le contenu peut être modifié par une action durant l'exécution d'un algorithme. Je déclare toujours en respectant la syntaxe suivante. Variable, nom, de point, type. Par contre, la déclaration d'une constante, j'éclaire comme ceci. Constante, nom, égale, valeur. Par exemple, variable nombre de points entier ou bien variable note de points réel. À titre d'exemple, entier, par exemple 1 moins 5, 3 moins 2, ou bien le type réel 1,5 moins 2,12, 3,15. Le type caractère A, B, I, G, parenthèse, point d'interrogation, ce sont tous des caractères. Ou bien chaîne de caractères. Mohamed, 5, Saïd, Ashraf, Tantan, voiture. Donc, ce sont des chaînes de caractères. C'est tout pour cette partie. Je vous remercie pour votre concentration. Je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Bien sûr, l'exercice est déjà vu durant les séances précédentes. Je suis très sûr que vous êtes capable de résoudre ce problème. Merci à vous et à la séance prochaine.